Je ne sais pas vous, mais j'aime assez bien l'odeur de vieux qui sortent des livres restés pendant longtemps au fond d'une bibliothèque. Et je pense aussi que la meilleure façon de les recycler, c'est de les lire, de les donner à lire à quelqu'un d'autre et ainsi de suite, ou bien tout simplement de les vendre à la vieille bourse de Lille. C'est là que je vous amène. Suivez-moi. La vieille bourse a été déclarée monument historique depuis les années 20 et elle accueille ici quotidiennement des amoureux des vieux livres. Christian Boez en fait partie. Cet ancien cuisinier est quotidiennement à la recherche de vieilles affiches culinaires. Nous allons à sa rencontre. À la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos. Les malices de pommes et poires, eh bien, vous voyez, je suis persuadé là-dedans qu'il y aura des recettes, des vieilles recettes du temps passé, du temps passé, et que l'on fait revenir au goût du jour. Oui. Hein, j'ai trouvé un trésor, hein, comme on dirait, oui, j'ai inventé un trésor, parce que c'est un bouquin que je cherchais depuis longtemps. Un trésor, ça c'est sûr, puisqu'il vient tout spécialement de Courtrai en Belgique pour faire ses petites trouvailles. Christian est un fervent défenseur de la cuisine bio et pour lui, la meilleure inspiration vient du passé. Ah voilà, regardez. Hein, ça c'est une affiche formidable. Vous pouvez me la vendre? Oui, c'est 10 euros. Combien? 10 euros. On peut me baisser à 8, vous avez la caméra. Oui, ça c'est ce genre d'article-là que je recherche. Hein, parce que ça, c'est des vieux légumes que l'on ne connaît plus, qu'on remet au goût du jour dans les fermes, souvent. Hâte. Bouquins, vieilles affiches, mais aussi pièces de collection, il ne se refuse rien quand il vient à la vieille bourse. Les aventures de Tintin, il adore, alors il achète. Hein, il y a François de Haddock, il y a Racam le Rouge, oui, Racam le Rouge, le coin. Hein, il y a Bianca Castafiore, celle qui chante là-bas. Allez, salut. Au revoir. Et bon après-midi. Au revoir. We don't have to go. Cet endroit est une véritable caverne d'Ali Baba pour qui sait bien chercher. Moi, je viens de trouver un livre de contes que je lisais quand j'étais gamine et je crois bien que je vais l'acheter. You don't have to climb.